Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 professionnel et SQL Server 2008. Alors aujourd'hui, on va parler de l'IPv6. Donc la dernière fois, on avait parlé d'IPv4, on avait longuement parlé sur les réseaux, les sous-réseaux, la méthode SIDAR, et comment faire le routage entre deux sous-réseaux grâce à la méthode SIDAR et via l'IPv4. Actuellement, comme vous savez, l'IPv4 est sursaturé. Et c'est basé juste sur 4 octets, c'est-à-dire 32 bits. Et comme c'est sursaturé, actuellement au niveau des adresses publiques, je parle surtout des adresses publiques parce que les adresses privées, c'est dans les administrations, dans les locaux privés. Donc on peut toujours plus ou moins manipuler les adresses privées avec le serveur DHCP. Mais pour les adresses publiques, il y a une sursaturation et les fournisseurs d'accès Internet ou les ISP, pardon, ne peuvent plus fournir correctement les adresses publiques. Parce qu'en fait, l'IPv4, donc toutes les adresses sont épuisées au niveau de l'IPv4. Même que, bien sûr, pour le moment, c'est encore utilisé, mais dans le futur, ce sera vraiment épuisé. Il fallait penser à une nouvelle méthode d'adressage. Cette nouvelle méthode, c'est l'IPv6. Alors, pour l'IPv6, aujourd'hui, donc on va parler en fait de l'IPv6. Les avantages de l'IPv6, c'est que en fait, il est basé, au lieu de 4 octets, il est basé sur en fait 16 octets, c'est-à-dire 8 portions. 8 portions, pardon, de 2 octets chacune. Là c'est pas ça, un petit moment. Voilà. Alors, voilà, donc ça c'est l'IPv6. Donc l'adressage IPv6 est constitué de 8 portions de 16 bits chacune, pardon. Donc c'est-à-dire que là, donc le X est représenté par un octet ou 8 bits. Donc le deuxième X c'est un octet, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des adresses de 4 octets seulement comme pour l'IPv4, pour l'IPv6, pour avoir donc ne plus avoir ce problème de sursaturation réseau, eh bien, les ingénieurs ont pensé à développer un nouveau type d'adressage qui est basé sur qui se nomme l'IPv6. Et c'est basé sur 8 portions de 16 bits chacune. Alors donc ici on a 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, ou 2 octets. Donc 2 octets, 2 octets, 2 octets. Alors en fait pour l'adressage, le X représente un octet et chaque octet est interprété en hexadécimal. Bon, avant en fait, maintenant pour le type d'adressage, donc c'est-à-dire 16 bits chacune, c'est-à-dire qu'on a 16, 32, 64. Pardon, 64 et 64, c'est-à-dire 128. 128, c'est-à-dire que le nombre d'adressages qu'on peut avoir au maximum, c'est 2 puissance 128. 2 puissance 128, ça fait l'équivalent, si on peut compter, 2 puissance 128, si on peut prendre un seul mètre carré, sur un seul mètre carré, on peut avoir 54 millions d'adresses. C'est-à-dire, si on a par exemple sur un seul mètre carré, imaginez 54 millions de PC, on peut avoir 54 millions d'adresses sur un seul mètre carré. C'est-à-dire, 2 puissance 128, si on imagine un seul mètre carré, on peut avoir jusqu'à 54 millions. C'est-à-dire que c'est des chiffres énormes. 2 puissance 128, ça prend donc toutes les portions de la. En fait, ça prend. Ici, j'ai calculé juste pour un mètre carré, mais ça. Ça prend toute la surface de la planète Terre, quoi, en fait, au niveau des atterrissages. Vraiment, donc c'est le futur, même si c'est pas très utilisé pour le moment, mais c'est vraiment le futur parce qu'en fait, pourquoi c'est pas trop utilisé? Parce que c'est les problèmes d'infrastructure des routeurs. C'est-à-dire que les routeurs qui existent actuellement sont pas vraiment dotés pour l'IPv6, n'ont pas été construits pour l'IPv6. Les routeurs actuellement sont surtout construits pour l'IPv4. L'IPv6 maintenant, comme j'ai dit, on peut pallier au problème des adresses publiques surtout. Comme j'ai dit, pour les adresses privées, pas de souci, on peut toujours utiliser l'IPv4. Mais pour les adresses publiques, par exemple les serveurs web ou les serveurs Active Directory ou DHCP, donc c'est des serveurs qui ont des adresses publiques. Et ces serveurs-là, donc à domicile ou dans une administration, si on veut avoir une adresse publique, parfois donc avec l'IPv4 ça ne suffit plus. C'est pour ça donc grâce à l'IPv6 on peut avoir donc on peut subvenir à ce problème des adresses publiques, surtout comme j'ai dit des adresses publiques qu'on peut les convertir en IPv6.
Mais le problème actuellement, pourquoi l'IPv6 n'est pas trop utilisé, c'est à cause des routeurs qui ne sont pas trop dotés actuellement au niveau IPv6. Mais bon, donc après, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer donc la transition entre l'IPv4 et l'IPv6. Maintenant, je vais vous montrer juste comment ça se passe au niveau de l'adressage IPv6 en général. Alors, chaque X représente un octet et chaque octet est interprété en hexadécimal. Alors, contrairement à l'IPv4, que les octets ont été interprétés en décimales, là, les octets sont interprétés en hexadécimal. Alors, pour l'hexadécimal, je vais vous montrer juste tout simplement. L'hexadécimal, c'est ça, en fait, tout simplement. L'hexadécimal, c'est. Donc, ça passe vers de 1, 2, 3, pardon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, au lieu du 10, on met A. Au lieu de 11, on met B. Au lieu de 12, on met C. Au lieu de 13, on met D. Au lieu de 14, on met E. Et au lieu de 15, on met F. Jusqu'à F. En fait, c'est ça l'hexadécimal. Donc, c'est ça en fait. En langage décimal, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais en langage hexadécimal, c'est-à-dire jusqu'à 16. Donc de 0 jusqu'à 16. Donc j'ai pas mis le 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. C'est ça en fait le calcul hexadécimal. Vous pouvez vous documenter dessus. Parce qu'en fait, il y a différents types de calculs. Donc il y a les chiffres, le calcul binaire, donc le 0, le 1, le calcul décimal qui est de 0 à 10, et le calcul hexadécimal, c'est-à-dire jusqu'à 16, de 0 jusqu'à 16, mais on ne dit pas 16, on dit de 0 jusqu'à F. C'est ça le calcul hexadécimal. Ok. Alors, donc on utilise ici le calcul hexadécimal, c'est-à-dire que là, on va prendre chaque octet en hexadécimal. Un octet est constitué de 8 bits. Donc 8 bits, c'est-à-dire que on va donc prendre les 4 premiers bits. C'est-à-dire si on a ici 21 CD, 21 CD, c'est-à-dire 21 c'est un octet, CD c'est un octet. Et 21, c'est-à-dire les 4 premiers bits, c'est le 2, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, 1, 0. Voilà, donc en binaire, si on le transforme en décimal, ça nous donne 2. Pardon, en hexadécimal, ça nous donne 2. Ici, donc le 0001 en binaire, si on le transforme en décimal, ça nous donne 1. Ici, pour le C, comme j'ai dit, le C, si on le transforme en décimal, ça nous donne 12. Donc 12, comme j'ai dit. Donc le C, c'est le 12. Donc 10, 11, 12. Voilà. Donc si on le transforme en décimal, ça nous donne 12. Mais en hexadécimal, c'est le C. Ici, D. En décimal, c'est 13, c'est le chiffre 13, mais en hexadécimal, c'est D. C'est pour ça, en fait, c'est juste pour l'écriture, donc ne pas mettre 13, ne pas mettre 12, parce que ça va vraiment. On va plus pouvoir lire correctement, donc c'est pour ça qu'on utilise l'hexadécimal ici. Donc, un exemple des 16, des 8 portions de 16 bits chacune au niveau de l'adressage du PV6. Alors, donc ça, c'est la première portion, deuxième portion, troisième portion, quatrième portion, 5, 6, 7 et 8 portions. Donc, on a 8 portions et on a ici, donc, ça, c'est, donc, et tout est écrit en hexadécimal. Donc, ça, c'est le premier octet, ça, c'est deuxième octet, troisième, premier, deuxième, premier octet, deuxième octet. Donc, deux octets pour chaque portion. Et comme j'ai dit, donc, l'écriture est en hexadécimal, c'est-à-dire de 0 jusqu'à F. C'est ça le calcul hexadécimal. Le décimal, comme j'ai dit, de 0 à 10, l'hexadécimal, c'est de 0 à F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. C'est ça l'hexadécimal. Voilà, donc ça, c'est l'adressage IPv6 en général. Comment donc on interprète les adresses IPv6 en général. Alors, on passe à l'expression des réseaux IPv6. Alors, contrairement à l'IPv4, il n'y a pas de masque sous réseau. C'est ce qu'on va voir. Je vais vous montrer une machine. Donc, on va prendre sa carte réseau. On va essayer de mettre une adresse IPv6. Vous allez voir qu'il n'y a pas de masque sous réseau au niveau d'IPv6. Parce qu'en fait, tout simplement,
Toujours la première partie des adresses IPv6 sont destinées au réseau et la deuxième partie sont destinées aux machines. Donc en fait, on découpe l'adresse IPv6 en deux parties. Par contre, pour déterminer un réseau, on met le slash, comme dans la méthode SIDAR. Alors ici, par exemple, on a 21 CD 53 0 0 0 0. Ça, c'est la première partie, comme j'ai dit. Donc ça, c'est la première partie de quatre portions. Et la deuxième autre partie des quatre portions sont destinées aux machines. Donc la première partie des quatre portions est destinée au réseau. Et si on calcule donc donc on a donc un octet, deux octets, trois octets, trois octets. Donc 53, donc c'est pardon, c'est 0,0 ici. 0,0,53. Donc pour compresser, on élimine souvent les zéros. C'est-à-dire, vous allez voir, donc on compresse, on élimine les zéros. Donc mais toujours prendre que ça, c'est là les quatre premières portions. Donc ça, c'est la première portion, deuxième portion, troisième portion, quatrième portion. Chaque portion contient deux octets, c'est-à-dire contient 16 bits. Donc si on multiplie 16 multiplié par 4, ça nous donne 64. Donc les 64 premières bits sont destinés au réseau et les 64 autres sont destinés aux machines. D'accord? Donc en fait, c'est comme ça qu'on calcule, donc qu'on fait les adresses. Donc on n'utilise pas de masque sous réseau, on utilise juste le slash. On dit comme quoi, donc la première portion utilisée, donc la première partie est utilisée au réseau, aux adresses réseau, et la deuxième partie est utilisée aux adresses machines, et c'est largement suffisant, surtout comme j'ai dit pour les adresses publiques, on utilise normalement l'IPv6. Il suffit juste que les routeurs suivent la technologie. Alors donc pour les types d'adresses IPv6, les types d'adresses IPv6, comme on a vu au niveau des adresses IPv4, quand on parle de Global Unicast, c'est l'équivalent à une adresse publique pour IPv4. Donc quand vous entendez donc adresse Global Unicast, c'est l'équivalent à une adresse publique pour IPv4. Quand on parle de Link Local Unicast, c'est l'équivalent à l'APIPA. Donc, souvenez-vous, la PIPA, ça commence par 169.254, c'est des adresses IPv4 pour des machines qui ne sont pas branchées à un réseau. Quand une machine n'est pas branchée à un réseau, l'adresse IPv4 qui est allouée automatiquement, pas manuellement, automatiquement par Microsoft, c'est 169.254, ce qu'on appelle l'adresse APIPA au niveau de l'IPv4. Pour l'IPv6, on va dire l'adresse APIPA de l'IPv6, c'est ça en fait, c'est FE80. Vous pouvez faire le test, on va faire le test en fait. Et si on va voir qu'effectivement, pour la machine qui n'est pas branchée au réseau, à aucun réseau, son adresse IPv6 allouée automatiquement, c'est le FE80. Ça commence par FE80 et ça c'est en fait tout. Donc ça c'est la première partie réseau, donc 64, et après donc il y a les adresses machines allouées. Après, il y a l'unique local unicast, équivalent aux adresses privées pour IPv4. Mais comme j'ai dit, donc les adresses privées IPv6 sont pas trop utilisées. Ce qui est sollicité surtout, c'est les adresses publiques. On a utilisé la, on voulait pallier au problème des adresses publiques parce que l'IPv4 ne suivait plus. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'IPv6 vraiment pour pallier aux problèmes publics surtout. Par contre, pour les adresses privées, on peut toujours les gérer avec l'IPv4, c'est pas de problème. Mais les adresses publiques, comme il y a maintenant tellement de réseaux à travers le monde et tellement de domiciles qui demandent l'internet et tellement d'administrations des réseaux à travers le monde. Donc les fournisseurs d'accès Internet ou les ISP n'arrivent plus à pallier aux problèmes des adresses publiques. C'est pour ça. Donc il y a même quelques pays qui sont sursaturés au niveau des adresses publiques. Bon, pour le moment, on peut toujours gérer les adresses publiques avec l'IPv4, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'en fait, vraiment, ça commence à s'épuiser. Et c'est pour ça que les adresses publiques IPv6 commencent à rentrer en jeu. Et les routeurs, donc on va voir dans la prochaine vidéo la transition de l'IPv4 vers l'IPv6 et comment peut-on utiliser les routeurs pour cela. Mais de toute façon, donc retenez bien ça, donc l'IPv6 est surtout utilisé pour pallier au problème des adresses publiques.
Donc, il y a, bon, donc, il y a le multicast qui est équivalent au broadcast, et Anycast, c'est pour la détection des routeurs avoisinants. Bon, donc ça, on va pas trop s'approfondir dessus, mais souvenez-vous que pour une adresse IPv6, automatiquement, donc équivalent à la pipa pour l'IPv4, ça commence pas toujours par FE80. Et quand on parle de Global Unicast, c'est comme pour les adresses publiques, IPv4. Alors, on va voir. Donc, on va faire un petit test pour l'allocation des adresses. Je vais prendre une petite machine virtuelle sous Windows 8. Donc, je l'ai nommée VM2. Cette machine virtuelle, donc, je vais faire d'abord. Je vais voir donc cette adresse grâce à ipconfig. Donc, je vais chercher la commande cmd. Ok, donc si je mets ipconfig, voilà, donc ipconfig, ça me donne l'IPv6, c'est effectivement, cette machine n'est branchée à aucun réseau, il n'y a aucun serveur DHCP, et en fait, l'adresse IPv6 de cette machine, ça commence par le FE80. Comme j'ai dit, donc, vous voyez, donc, il y a ici deux points, deux points, c'est-à-dire c'est compressé. Je vais juste agrandir celle-là pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ici, donc on a deux points, deux points. C'est-à-dire que les zéros, c'est juste pour compresser en fait les données. Et en fait, quand on met donc ici, donc deux points, deux points, c'est-à-dire qu'il y a des zéros ici, donc des parties, des portions avec des zéros. Donc pour ne pas mettre que des zéros, zéro, 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 on fait deux points, deux points. Bon, ça c'est juste histoire de compression des données pour mieux lire les données d'une façon pour prendre plus compressé en fait. Mais on peut mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En fait, il y a 12 octets de 0. C'est-à-dire ici, donc si on met FE80, 0, 0, 0, 0. 4 octets, 0, 0, 0, 0. 8 octets, 0, 0, 0, 0, 12 octets. Après, on passe, et ça, c'est la première partie, donc des quatre premières portions qui sont destinées au réseau, FE80, 0, 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 0. Après, donc on passe à la deuxième partie, donc avec quatre portions qui sont destinées aux adresses machines. Donc ça commence par 81 6D. Donc effectivement, donc ça, cette adresse n'est pas routable parce qu'elle n'est branchée à aucun réseau. C'est les adresses allouées automatiquement, comme pour la pipa, pour l'IPv4. Voilà. Donc maintenant, si je passe à ma carte, pardon. Donc ouvrir centre réseau et partage. Alors modifier les paramètres de la carte. Donc si je fais un clic droit, propriété. Et là je passe à IPv6. Donc effectivement, voilà, utiliser l'adresse IPv6 suivante. Donc je peux allouer IPv6 manuellement comme je peux l'allouer automatiquement. Allouer l'adresse IPv6 automatiquement, c'est-à-dire que j'utilise un serveur DHCP. Pour l'IPv4, c'est un serveur DHCP V4, on le nomme. Pour l'IPv6, c'est DHCP V6. De toute façon, il faut installer le rôle DHCP pour donc allouer les adresses IPv6 automatiquement. Il y a aussi des donc on peut allouer les adresses IPv6 automatiquement via des routeurs qui utilisent le protocole Near Detection, on appelle. Donc de toute façon, c'est une méthode un petit peu plus compliquée. Mais je vais vous montrer après donc la transition du routage de l'IPv4 vers l'IPv6 pour les prochaines vidéos. Un petit moment. Donc voilà, en fait, je vais écrire une adresse IP manuelle. Je vais prendre de ce qu'on avait vu. Hein. Donc ici, donc on va prendre le 21 CD 0053 00000. Donc jusqu'à 94, je vais écrire ça, donc cette adresse IP manuellement. Alors elle est là. Alors manuellement, donc adresse IPv6, donc 21 CD, ok, 0053, ok, 0000, ok, 0 0 0 0, ok.
De toute façon, donc c'est 0000, donc quand on va mettre ipconfig, vous allez voir qu'elle sera compressée. Donc c'est juste pour donc c'est une façon d'écriture, donc d'une façon compressée. Mais de toute façon, donc c'est il y a toujours les zéros qui sont écrites. Alors, donc on a E8BB, E8BB, d'accord, et donc 04F2, d'accord, 003C, d'accord, et on a C394, C394. Ok. Alors, longueur du preuve. Donc, comme vous remarquez, donc contrairement à l'IPv4 qui nous demande toujours l'adresse, le masque sous réseau, ici l'IPv6 ne demande pas de masque sous réseau, mais il nous demande juste le préfixe, c'est-à-dire quelle est la partie qu'on va utiliser pour l'adressage réseau. Donc, si je mets par exemple ici, pardon, 64, voilà, donc si je mets 64, donc ça va me donner, c'est-à-dire que les quatre premières portions. La première partie, comme j'ai dit, toujours est destinée au réseau. La deuxième partie est destinée aux machines. Donc, les quatre portions de la première partie seront destinées au réseau. Donc, ces quatre portions, c'est-à-dire que la première, deuxième, troisième et quatrième portion jusqu'à 0000 est destinée au réseau. C'est-à-dire, ici, si on calcule au niveau des bits, c'est 64 bits. Donc, 64 bits, c'est destiné au réseau. Et les 64 autres sont destinées aux adresses machines. OK? Donc, si je mets OK. Ok, super. Donc je vais mettre maintenant l'IPv. Ça c'est en fait ma. Donc je vais agrandir cette machine donc pour mon plein écran. Voilà. Donc je ferme cette fenêtre là et je ferme cette fenêtre là. Si je passe aux commandes de cette machine sous Windows 8, donc je remets ipconfig. Donc je vais avoir en fait voilà. Voici mon adresse que j'ai tapée tout à l'heure. Donc au niveau de l'IPv6, toujours la pipa, elle est là. Donc adresse, donc comme j'ai dit, liaison locale, donc link local adresse en anglais ou liaison locale. Global local adresse, c'est l'adresse publique, ou liaison locale, c'est l'adresse APIPA. Et comment dire, unique local adresse ou local unique adresse, c'est pour les adresses privées. Mais bon, donc pour les adresses privées. Comme j'ai dit, donc l'IPv6 est surtout destiné aux adresses publiques, surtout. Bon, de toute façon, donc ici on a. Alors, donc ce que j'ai mis, c'est 21CD, 53. Comme vous remarquez, j'ai mis tout à l'heure 000. Mais en fait, ma machine l'a compressé automatiquement. Ça ne veut pas dire que les zéros ont disparu, c'est juste une compression. Mais les zéros sont toujours là. C'est juste pour une façon d'écriture des adresses IPv6. Donc ici, j'ai mis jusqu'à 94, effectivement. Et ici, donc, FE80, ça reste. Donc, au niveau de l'adresse liaison locale. Et l'adresse IPv6 que j'ai mis, donc l'adresse manuelle que j'ai mis, c'est 21C10. Si j'avais un serveur DHCPv6, je vais avoir donc l'adresse automatique allouée par le serveur DHCP. D'accord? Donc, voilà. En général, c'était ça au niveau des adresses IPv6. Comme vous remarquez, tout simplement, l'IPv6, c'était pour pallier au problème de l'IPv4, surtout au niveau des adresses publiques, parce que les fournisseurs d'accès Internet n'avaient plus de place pour les adresses IPv4. Donc les ingénieurs ont pensé à l'IPv6 pour pallier au problème des adresses publiques. Et l'IPv6, retenez bien que c'est basé sur 8 portions de 16 bits chacune, et que ces portions-là sont écrites en hexadécimal et non pas en décimal comme pour l'IPv4. Donc l'IPv4, c'est écrit en décimal. Par exemple, si je mets 192, 168.1.1, c'est des chiffres décimales. Par contre, ici, c'est des chiffres en hexadécimal. Et l'hexadécimal, rappelez-vous, ça part du 0 jusqu'à F. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. C'est ça, en fait, le calcul hexadécimal. Donc, vous pouvez vous-même mettre des adresses, tester avec des adresses manuelles sous la carte réseau, donc mettre des adresses IPv6 manuellement, ou donc, et voir au niveau de l'ipconfig qu'est-ce que ça donne, et voir qu'effectivement le FE80, c'est des adresses qui sont allouées automatiquement par Microsoft en cas où il n'y a aucun routage, aucun réseau branché sur la machine.
Voilà, donc c'était ça en fait en général. Prochaine fois, prochaine vidéo, je vais vous montrer la transition des routeurs de l'IPv4 vers l'IPv6. Et après, bien sûr, on va parler sur l'installation du serveur DHCP. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech. Et donc Marwan Le Tech. Bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter Marwan Le Tech. Donc, partagez au max si vous aimez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.